l'un des premiers pas que j'ai posé dans Londres, c'était dans ce parc-là. Et je vois ça là en face de moi et je fais « Attends, il y a un parc d'attractions dans un parc ». Le monde qu'il y avait, c'était incroyable. Et le pire, c'est que ce que vous voyez là, ça ne dure que 6 semaines en novembre et décembre. Ce qui m'a tout de suite le plus impressionné avec Londres, c'est à quel point tout est décoré au millimètre. Rien n'est laissé au hasard. Et il y a un monde... C'est une marée humaine. Et je pensais que ça allait être que le premier soir, parce que là, on était samedi soir. Mais non, tous les jours, même la semaine, c'est comme ça. Et là, ce que vous voyez, c'est littéralement le Times Square de Londres avec son fameux grand écran de fou, le monde que vous voyez grouiller en bas, et ça n'arrête pas, il y en a toujours, tout le temps, la circulation, les bus rouges, les taxis, les cabines téléphoniques, bref, en un soir, j'avais vu tout ce qu'il y avait à voir. Le lendemain, j'ai décidé de prendre la journée entière pour déambuler dans la ville et visiter les endroits les plus emblématiques de Londres. Le palais de Kensington était la maison d'enfance de la reine Victoria. Et son règne a quand même duré 63 ans, mais à titre de comparaison, Elizabeth II, c'est 70 ans. Et aujourd'hui, ce palais ne sert plus que de résidence aux jeunes familles royales britanniques. L'Albert Memorial est un monument érigé en 1875 à la mémoire de Albert, le mari de la reine Victoria. Une fontaine a été construite en 2004 à la mémoire de la princesse Diana, morte dans un accident tragique quelques années plus tôt. Je m'en souviens encore, malgré mon jeune âge à l'époque, tant ça avait été médiatisé. Bon là on se retrouve à Buckingham Palace, reconnu comme étant la demeure du roi. Et là je crois qu'on arrive à un moment de ma visite de Londres qui m'a le plus subjugué. Alors c'est peut-être pas grand chose, hein, mais regardez-moi ce garde en bas, comment il marche, toujours pareil, ses allers et retours. Je sais que c'est comme ça, mais de le voir ça de mes propres yeux aujourd'hui, et j'avais l'impression d'être reparti des centaines d'années en arrière. Pour moi, je faisais face à un anachronisme, je vivais une figure de style. Bref, c'était tout autant déroutant que fascinant. Le lendemain, pour moi, c'était la visite des studios Harry Potter, la saga qui a bercé mon enfance. Je me devais de passer par là lors de mon voyage à Londres. Autant vous dire que je n'ai pas été déçu. Alors oui, la saga aujourd'hui fait polémique, notamment à cause de J.K. Rowling, son autrice, mais moi, j'arrive à détacher l'histoire de l'auteur, et l'histoire m'a fait rêver. L'histoire me fait encore rêver, j'ai encore envie de revoir les Harry Potter, et c'est quelque chose, c'est une saga qui restera profondément ancrée dans mon esprit, dans mon cœur, et je continuerai à l'aimer malgré tout. Alors je vous laisse avec cette petite visite, et puis on se retrouve à la fin. Et pour ma dernière journée, j'ai terminé avec le musée de cire de Madame Tussaud. Donc c'est comme le musée Grévin, il y a beaucoup de personnalités qui sont représentées en personnages de cire. Tu peux les approcher vraiment de très très près, tant que tu touches pas. Il y en a qui sont très 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 bien faits, d'autres un peu moins qui font très poupées, très marionnettes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres expériences, je dirais. Comme à un moment, tu descends dans des sortes de catacombes et puis ça retrace un peu l'histoire des serial killers les plus connus. Alors t'as des effets sonores, t'as des acteurs aussi des fois qui sont là pour jouer des espèces de sortes de scènes. Tu as des trucs qui bougent dans les murs et tout. Enfin, c'est assez prenant et pesant comme ambiance. Et puis à un moment, il y a une sorte de manège comme ça avec des chariots qui roulent sur des rails. Et puis ça retrace un peu toute l'histoire de Londres avec justement tous ces décors et ces personnages faits de cire. Et enfin, tu termines par une section de cinéma 4D. On te fait rentrer dans un cinéma et puis t'as une espèce de petit film Marvel avec différents effets spéciaux et effets d'humidité, de vent, de vibrations, etc. Qui est plutôt pas mal. Et voilà, on arrive à la fin de ce séjour à Londres. Alors qu'est-ce que je retiens? Eh bien déjà que je trouve la ville vraiment impressionnante. Impressionnante sur tellement d'aspects. Elle est grande, elle est animée, elle est décorée. Ayant été à New York, alors pas pendant les fêtes, j'arrêtais pas de me dire que Londres faisait limite concurrence à New York. Concurrence pas tant forcément en grandeur de building ou autre, mais plus t'as l'impression que tout est calculé, que il y a du monde vraiment de partout, que tu as des animations, que tu as des trucs à faire à tous les recoins, que t'ailles, et en plus c'est étendu sur des kilomètres Londres, et que j'ai été au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Londres, dans tous les endroits, t'avais toujours des trucs, et différents en plus. Genre, il y a un moment, je me souviens, je me baladais dans un endroit où il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de restaurants, et puis tu descends quelques escaliers, et puis tu vois un skatepark. Et puis, à 2-3 coins de rue après, ou alors tu marches 2 minutes, et puis tu vas voir une sorte de marché de Noël. Et puis tu marches encore 2-3 minutes, et puis tu vois des espèces de barrières, et tout, tu passes les barrières, et puis tu arrives devant un endroit où tu as des tables avec plein de gens assis, un DJ, des trucs pour de la bouffe et tout, enfin un grand écran. C'est au mètre carré tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Et même si j'ai marché 63 km en 4 jours, je suis loin, loin, loin d'avoir vu et fait tout ce qu'il aurait été possible de faire Bref, en tout cas, c'est un séjour dont je me souviendrai longtemps, et à me poser la question si jamais j'y retournerai un jour, je pense que oui, parce que vraiment c'est une très très bonne ville. Peut-être que j'essayerai durant l'été par exemple pour voir un petit peu la différence d'animation et d'un peu tout ce qu'il y a. Parce que là, vraiment, pendant les fêtes, oh, c'est tout décoré de partout et c'est vraiment, vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié parcourir les rues et les activités de Londres avec moi. Et puis, ben, on se retrouve à un prochain voyage, un prochain vlog, avec grand plaisir. Et c'est ici que se termine le vlog. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!